de ça encore un an, j'avais une vie à peu près normale. Je vivais dans le quartier le plus cool du monde. Brooklyn. Représente ! J'avais deux parents super. Et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé. Quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May étaient là pour moi. Et Spider-Man aussi. Qui n'était autre que Peter. C'est fou, hein ? Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup de main. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Et j'ai commencé à changer. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. C'est lui qui m'entraîne, et je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, ma nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. J'ai placé des hologrammes pour te guider. Analyse la source. Des hologrammes. Tu piques mes méthodes ? Mon petit gars, je m'en servais déjà quand t'étais pas né. Allez, pense pas à Finn. Concentre-toi sur les sons, rien d'autre. Analyse les hologrammes. Ça débloquera des fichiers sur la clé que je t'ai donnée. Ça t'aidera à trouver les sons que tu cherches. Maintenant, essaie de retrouver le son de départ, et sample-le. Bon son, mais il est étouffé. Essaie de trouver quelque chose de plus clair. Mais c'est pas ça. Continue. Essaie de t'approcher encore un peu. Mais c'est pas tout à fait ce que tu cherches. Essaie de trouver un son clair. Tu veux aucune distorsion. Et voilà, ouais, c'est ça. C'est énorme.
maintenant. Alors, t'as bien aimé? Ouais, y a une super bonne dynamique. Ouais, je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Ça m'a fait du bien de me vider la tête. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir et essayer de la convaincre d'arrêter. En personne? Où ça? Trinity Church, demain soir. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais, t'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous... Vous étiez fâché. Toi et papa. Mais il s'est passé quoi exactement? C'était compliqué. On était très proches, mais très différents. Fini la mixtape, récupère les samples, et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Ça marche, merci. Trinity Church. N'oublie pas, Tinkerer est à toi, mais tu touches pas au gamin. Waouh, j'en avais besoin. J'étais crevé. Ok, j'appelle Finn. Dès que je suis prêt à... Les autres sons que tu cherches sont disséminés à travers la ville. Des voleurs ciblent les commerces de Harlem. Ça pourrait être les mêmes qui s'en sont pris à la bodega de Théo. T'as les yeux plus gros que rien, ce bazar à la gueule! Salut Spider-Man, enchanté, moi c'est Caleb. J'ai vu votre fresque chez Théo. Oh, c'est l'autre Spider-Man ça. Mais moi aussi, je peux vous aider. Toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises ces dernières semaines. Papeterie, outils, produits d'entretien. On est des petits commerçants, c'est une catastrophe pour nous. Vous l'avez signalé? Bien sûr, mais personne nous prend au sérieux. Camilla, la patronne du restaurant d'à côté, a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée directement au centre de distribution où on se fournit. Je la retrouverai là-bas. Je me rendrai utile. Merci, Spider-Man. C'est bon d'avoir quelqu'un qui nous protège. Hey, Ganky. Je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem. Caleb Sklinkett et Palafuerte. Oh, j'adore Panafuerte. T'as goûté leurs arrêts passifs? Je peux pas trop manger avant de faire des trucs de super-héros. C'est un peu comme pour la piscine. Ouais, je comprends. Alors, c'est quoi le plan? Retrouve les marchandises volées, qui les a volées, et vois s'ils sont un lien avec le cambriolage à la bodega de Théo. Ça roule. Je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes.
C'est le centre de distribution du quartier de Caleb. La police ? Qu'est-ce qui se passe ? Les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute. On l'a identifiée ? Grâce à une caméra Oscorp. Camila Vasquez, elle tient le Panafuerte à Harlem. Oh mon Dieu ! Ils ont kidnappé Camila ! Je dois essayer de la retrouver, mais la police va pas vouloir que je m'approche. Peut-être que si j'examine les indices... C'est dur de faire la différence entre ce qui est important ou non. Un certain Caleb Ward a signalé des vols dans les quartiers nord. Ça pourrait être lié. En même temps, il se passe toujours un truc. Camila ne s'est pas laissé faire. Faut que je découvre où ils l'ont emmené. Un ticket de parking. À Chinatown. Ok. Mais où ça, à Chinatown? T'as fait un paquet d'heures sup. On manque toujours de personnel. Ah, il me barre le chemin. C'est un sacré bout de temps que je l'ai pas vu. Il a peut-être pris sa retraite. C'était quoi ? C'est la définition de la retraite. Et n'approchez pas. C'est une scène de crime. Yes. Je peux examiner l'indice maintenant. Une veste de chez David's Complete Auto Repair. Quelqu'un a dû l'abandonner en filant. Hé, tu sais où je peux trouver le garage David's Complete Auto Repair ? Y en a 12 à Manhattan. Y en a un à Chinatown ? Ouais. Je t'envoie l'adresse. De Chinatown, une femme correspondant à la description de notre victime vue dans une ruelle. On y va. Hey, Spider-Man, vous avez des pistes pour nos marchandises ? Ouais, les gars qui ont tout volé. Camila a dû les prendre en flagrant délit. Ils l'ont kidnappée. Quoi ? Vous êtes sûr ? Complètement. Je vais essayer de la sauver. Ah. Heureusement que vous êtes venu vous en mêler, Spider-Man. Merci.
Capitaine, il va sûrement avoir un accident. Ouais. Oh non. Courage, tenez bon, Camilla. Ouvrir ce coffre. Au secours, aidez-moi. Tout va bien, madame? Spider-Man. Ah, je pensais pas que... Ah, mais ces hommes-là... Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Ces types ont été payés pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques. Ils gardent tout sur les quais de la voie rapide. Ils sont près du pont. Je vais la récupérer. Vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous? Non, 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 je vais appeler un taxi. Gracias. Vous m'avez sauvé la vie. Ganki, Camilla est en sécurité. Elle a surpris ces types en train de voler les réserves. Quelqu'un les a payés pour faire ça. Justement, j'ai fait des recherches. Quelqu'un a déposé une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique à la mairie, pour faire fermer des commerces dans la rue de Camilla et Caleb. C'est sûrement le même gars qui paye ces criminels pour qu'ils viennent s'installer. Exactement. Du coup, j'ai déposé un recours pour demander une enquête sur l'acheteur du terrain. Mais tu trouves un génie ! Bon, je pars sur les quais récupérer la marchandise. Je te rappelle. Des caisses, partout. Où est-ce qu'ils sont planqués, la marchandise? Eux, ils doivent savoir. Si je tends l'oreille, je saurai quelle caisse je dois ouvrir. Il faut pas qu'ils me voient. Tu crois qu'il va construire quoi sur le terrain? Peut-être des apparts. Il faut pas qu'ils me voient. Tu crois qu'il va construire quoi sur le terrain? Peut-être des apparts. Ou des bureaux. Pour faire circuler de la drogue? Possible. C'est bien pour se faire du fric rapidement. Pas de ça dans mon quartier. Ces machins. Des ciseaux à barbe? Des range-serviettes? On va tout balancer. Tu peux commencer si tu veux. Conteneur vert avec l'étoile blanche. C'est bon. Je vais pouvoir m'occuper de ces types. Essaie sur moi pour voir! Ah, mais j'arrive pas à le voir! Le coffre est là-haut! Tu vas mort! Ça va, Billy. Ça va très mal se finir pour... À vos coudes, on l'aura. Sauvez-le.
Mais qu'est-ce que c'est? Depuis quand les araignées peuvent devenir invisibles? Reprenez-vous, s'il faut le... Harlem, 1. Affreux criminel qui bosse pour un méchant mystère, 0. Bon, marchandises, conteneur vert, étoile blanche. Un conteneur vert, étoile blanche. Conteneur vert, étoile blanche. Conteneur vert, étoile blanche. C'est bon. Maintenant, faut sortir l'inventaire de la caisse. Sont là. Toutes les marchandises volées. Caleb, j'ai retrouvé votre inventaire. Envoyez quelques camions sur les quais et je vous aiderai à le récupérer. On était prêt à déclarer la faillite et à mettre la clé sous la porte. Mais grâce à vous, on va pouvoir s'en sortir. Merci mille fois. Vraiment. Si jamais vous avez besoin d'une coupe, venez me voir. C'est la maison qui offre. Vous allez faire comment avec le masque? Oh, je me débrouillerai. Oh yeah, il faut bien que vous mangiez aussi. Vous êtes en pleine croissance. Venez à Panafuerte quand vous voulez, et on vous préparera quelque chose. Je vous remercie, tous les deux. On vous doit une fière chandelle, Spider-Man. Tout le quartier vous en est reconnaissant. Tu fais du super boulot, Spider-Man. Tu m'as bien aidé. T'as une piste sur notre homme mystère? Ouais, j'ai commencé à faire une liste. Pour l'instant, j'ai Vulture, Scorpion et Tombstone. Je crois pas que ce soit le genre d'Electro. C'est du lourd, ta liste. Mais on va se débrouiller. Je veux pas de lui dans notre quartier. Oh, c'est la première fois que tu dis notre. Là, tu me gênes. Trop tard. Ok, je dois appeler Finn. Pourvu qu'elle réponde. Salut, Spider-Man. Finn, salut. Il faut qu'on parle. En personne. Pour que tu m'entends encore? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît, rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges, je te promets. Si tu te fous encore de moi... D'accord, on se voit là-bas. Tu veux bien me voir, c'est déjà ça. Ok, Trinity Church, en route.
les amis. Aujourd'hui dans le DaliCast, je débat avec... C'est ça votre intro ? Ah, c'est nul. Dans le milieu, on appelle ça noyer le poisson. Mettez-y un peu de cœur, bon sang. Laissez-moi vous demander, d'amis. Ça vous arrive jamais de penser à l'image que vous véhiculez, à votre intégrité journalistique ? Plus que certain. Parce que pour un vrai journaliste, comme moi, votre campagne, honnête, est atterrante. Atterrante. Vous devriez vous en prendre aux jeunes justiciers inexpérimentés qui causent tous ces problèmes à Harlem. Quoi ? Vous transformez tout ce que fait Spider-Man en acte de malveillance et à côté de ça, vous excusez tous les crimes de Roxxon. Ce qui manque à Spider-Man pour avoir votre soutien, c'est une meilleure équipe de com. Ah 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 ah. Je ris. Je vais t'éclater. J'imagine déjà les gros titres. Spider-Man, défenseur des démunis. Ou un truc moins cucu. Si vous avez encore besoin d'aide. Kwanza, c'est Ujima. Elle a tourné des barres. Miles, j'ai des signalements concernant un hélico devenu incontrôlable. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer. Tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer? Je veux que tu arrêtes de me mentir. Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick, Roxxon doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Pourquoi cet endroit ?
Mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de sept pays. Tu te souviens? J'ai adoré le Ghana. Il n'y avait pas le Ghana, tu confonds avec la Guinée. Non, non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Belize, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Hein? J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Ouais. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi... J'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là? Tu es derrière le rideau. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais, quand son frère et moi mettions au point le Nuform... Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins, je respire encore, ma puce. Changeons de sujet, d'accord? Alors, pour commencer... Je vais... Waouh! C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu dégages un parfum de bio-ingénierie ultra avancée. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin? L'odeur de l'argent. Bon, c'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la plate. Oh, et servez-vous de lui. On va finir ce qu'on a commencé sur le pont. Et sans caméra.
Tu vas bien? Ils allaient te tuer. Merde alors. Je suis coriace, c'est pas vrai? Faut qu'on trouve une issue. Roxanne a gardé Rino au lieu de le livrer à la police. C'est dingue! Rien ne me surprend plus à propos de Roxanne. Est-ce que ça va? Ça ira, quand on sera dehors. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi? T'as trouvé quelque chose? La sortie est là, à l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte, si je trouve la source d'alimentation. Salut, toi. C'est déverrouillé. Je vais de l'autre côté. Je suis au-dessus. On doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance sont HS dans l'aile sud. C'est Rino qui a dû les désactiver. Pareil qu'il veut interroger les prisonniers. Je parie que le nouveau, là, il pourrait même faire parler Spider-Man. Je patrouille dans le secteur. Il y en a deux plus loin. Comment on a fait pour les avoir? Rino a retrouvé leurs traces? Non, il est trop bête, sans subtilité. Un agent extérieur nous a donné leur position. Roxanne, attendez. Vous pouvez pas trouver pire. Peut-être quelque chose. Conseil d'amis, gaffe à ce que tu dis, ton Frieder. Il a l'air cool, il part au garde-tour. J'ai remarqué. Je l'ai vu pousser à bout trois assistants. Restez mobiles, prêt à attaquer. Roxanne n'est pas bien. Dépêchez-vous, retrouvez. Je vois pas l'intérêt d'enfermer Spider-Man. La voie est libre. Parez à faire feu. J'ai du mouvement. Je lance un décryptage. Spider-Man est là. Il a déjà été en poste alors. Plus besoin d'être délicat. Il a dit qu'il pourrait être n'importe où. Il est forcément là. Trouvez-le. Toi, immédiatement, on tire à but. Nouvelle victoire pour Spider-Man. J'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. RX 36, rapport en attente. Aucune réponse. Allez, ça va laisser une trace. 5 sur 5, je m'en charge. Ratissez la zone, il peut être n'importe où. Maintenez-le au sol. Bien battu, pas monté. Je neutralise Spider-Man. Fais tes prières, Spider-Man. Il a senti cette fois. Mettez le KO.
On dirait une collection d'archives. Je me demande ce qu'il y a sur ces ordi. Plus d'infos sur Rhino. Je sais, il dit qu'il veut raccrocher, mais soyons réalistes. Sans sa grenouillère en métal, personne n'aurait rien à battre de ce type. Améliorer son armure. Si on l'aide à broyer l'araignée junior, il oubliera toutes ses histoires de retraite. Ce mec passe son temps à manipuler les gens. Hé, hey, Roxxon vous vole vos affaires. Toi aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Merci d'ailleurs. Contournement réussi. Il y a un mémo vocal là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rhino. Qu'est-ce qu'on répond ? Notre contact du RAFT crée un programme de réinsertion citoyenne. Nos agents pour Rhino fait quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça ? La porte est déverrouillée, mais tu dois l'ouvrir. D'accord. Un autre mémo vocal de Krieger. J'aimais bien, ça sonne vraiment, hein. C'est pas un milieu pour les cœurs sensibles. On devrait peut-être poser une plaque en sa mémoire. Ah, non. Donner son nom à un banc. Ah, je suis sûr qu'il adorerait ça. Simon Krieger, le roi de la compassion. Laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Il devrait même pas être là. Ton Gorin devait prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à tes infos. Alors, je crois qu'on tient le bon bout. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Aaron ? Le petit. J'adore quand tu dis ça, ça fait tellement paternel. Relâche Spider-Man, et je te ramènerai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. Vous voyez ? Un levier. Un failli. Miles, Spider-Man ! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé à Rick Wilson. Si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même série. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc, nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais j'ai peur que toi... tu ne sois pas invité à la fête. Voilà. Bye.
Je connais ce type. C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés. Non. Je savais qu'il travaillait avec Roxxon, mais... j'aurais pas cru... qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter? Finn, non. Il doit y avoir une explication. Je savais pas que ça allait arriver. C'est bon. Arrête. Continuons. Est-ce que tu peux ouvrir ça? Ouais, bien sûr. Ils ont lancé un verrouillage. Il faut qu'on rentre dans ce poste de commande. Donc on doit passer de l'autre côté de ce volet. Il y a un panneau de maintenance ici, mais il faut l'alimenter. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, t'as l'électricité. Relaxé. Ah, je peux pas bidouiller le rideau, mais je peux déplacer les machines, comme cette grille. Ça nous sera peut-être utile. Je vais regarder le reste. C'est ici qu'ils construisent des moteurs pour leur blinder. Hé, hey, je peux faire descendre et monter cette grue. Ça t'aide? La grue est au-dessus de cette espèce de moteur maintenant. Cette espèce de moteur, j'ai une idée. Tu peux déplacer la grue vers la chaîne de montage? Ouais, je crois que je vois ce que t'as en tête. Rediriger le courant. Le laser a court-circuité, mais... C'est bon. Lance le laser. Et un laser. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau. Je devrais peut-être le jeter avant que ça explose. On y est presque.
voilà notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne ? Y a qu'une seule issue. Ok. Je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. T'as jamais eu envie de... m'appeler pour me dire que t'étais Spider-Man ? Tu sais, quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais... je t'avais, toi. Finn, je... Ouvrez-moi cette porte ! Elle va finir par lâcher ! Vas-y ! Je m'en sortirai, sauve-toi ! Ces types avec des lumières sur leur casque ont des capteurs de chaleur. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Je me demande combien de budget ils consacrent à la recherche, rien que pour nous compliquer la vie. Probablement des millions de dollars défiscalisés. Va faire le ménage. Je désactive la sécurité qu'on puisse sortir. J'ai encore accès aux machines si tu veux que je déplace quelque chose. Ça va, toi ? Ouais. Tes toiles retiennent la porte. Mais toute la base est en alerte, alors fais gaffe. Cette base n'a qu'une seule sortie. Ils vont forcément passer par là. J'en sais rien. Tireur et four. D'après Rhino, ils travaillent ensemble. C'est n'importe quoi. Quand la plaza sera finie, ils s'arrêteront ce plan. Hé ! Toi, ça. J'ai trouvé les toiles ! Villerman est là ! Attendez. Promets-moi qu'on va en discuter, ok ?
je t'écouterai, je te jure. Je t'écouterai vraiment. Ma décision est prise, Miles. Tu l'acceptes dès maintenant. Alors, je serai obligé de t'arrêter. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. J'y suis. Retrouve-moi dans la salle d'expo au bout de la chaîne de montage. À tout de suite. Je peux vous l'échanger ? Tu viens ? Ils ont verrouillé les portes, on dirait. Je trouverai un autre moyen. Si on prévenait les médias de la mort de Rick. T'as des preuves? Parce que je doute que les gens se laissent convaincre par deux justiciers. Il y a forcément un moyen. Ça doit être la sortie. Hé hey. C'est à toi? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuform sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxxon. Merde! T'aimes ma nouvelle couleur? À l'épreuve de tes petits zip-zap-zop. Zip-zap-zop? T'es sérieux là? Maintenant, finis son temps! Jamais vivant. Son armure. Oh,
Même moi, j'ai besoin de te mettre à terre qu'une seule fois. Solide, ta nouvelle armure. Grâce au dollar de Robson, tous dépensés sans compter. Tout ce qu'ils construisent, on peut le détruire. Continue. Vous espérez vraiment gagner, petit microbe? Oh, l'espoir rend la défaite encore plus écrasante. C'est un peu prudentieux pour quelqu'un qui vient de se manger un tank. Ne lâche rien, surtout. Ah, ta petite piqûre ne peut pas traverser ma tête. Vous êtes deux, hein? C'est trop facile. Trucider Spider. Vraiment pouvoir vous enfuir aussi facilement. Roxxon ne vous laissera jamais partir.
Est désactivé. Vas-y. Ça marche. Prêt pour mes zip-zap-zap. Tu Lunettes infrarouges.
débarras. T'as même plus la force de t'enfuir. On va te réduire à merde. Elle risque de l'exciter. Je dois en finir rapidement. Surveillez-le quelques instants. Je reviens tout de suite. Les données de Krieger vont faire plonger Roxxon. Sans violence. Tu sais, Krieger m'a dit comment ton frère était mort. Très amusant. La ferme. Il m'a dit aussi que c'était ta faute. Krieger a modifié le réacteur. Il a essayé de le surcharger pour être dans les temps. Si Finn fait ce qu'elle avait prévu, c'est pas vrai. Harlem. Tu l'as regardé mourir. Sans rien faire. Va en enfer. Ma famille est morte. Ok. J'ai besoin d'aide. Je vais aller chercher une serviette et des antibiotiques. Ok. Je te dise quelque chose. Finn veut détruire la Plaza. Ouais. Tu la poursuivais à travers la ville déguisée en Spider-Man. Tu aurais pu mourir. Je n'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? On a toujours parlé de comment te protéger. Mais ça... Je voulais pas t'inquiéter. L'autre Spider-Man est parti et moi, j'ai fait qu'empirer les choses. J'ai fini par te décevoir. Miles... Quoi que tu fasses, ou qui que tu sois, rien ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Nada. Tu me rends plus forte, Miles. Pour moi, c'est ça un vrai héros. Quelqu'un qui se bat pour les gens qu'il aime. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Gloria s'occupe du Fist, et Théo nous aide pour le porte-à-porte. C'est parfait.
On peut commencer l'évacuation. Je te retrouve dehors. Chaque jour, tu me rappelles un peu plus ton père. Fais attention à toi. Promis. Miles, je vais dire aux gens de Harlem qu'il faut évacuer, puis je ferai du porte-à-porte avec ta mère. Ok, cool. Je tenais à te dire merci d'être là pour moi. Hey, j'ai besoin d'un service avant que tu partes. Ce que tu veux. Je veux recouper les activités de l'Underground avec les immeubles où on peut stocker d'uniformes. Tu pourrais pirater les tours de surveillance d'Oscorp ou... C'est fait. Faudra du temps pour affiner la recherche. Aucun problème. Merci. Je vais me dégourdir un peu les jambes et y aller. Quand tout ça sera fini, je prendrai du temps pour faire du son. J'ai un peu de temps avant que Ganki localise Finn. Je devrais regarder si quelqu'un a besoin d'aide sur l'appli. Le Fist Nord est fermé. On se les pèle comme pas permis. Les gens peuvent pas rester dans la rue. Je devrais y aller en tant que Miles pour voir ce qui se passe. Ganki, je vais aller voir Gloria pour parler du Fist. En tant que moi, pas Spider-Man. Comme une sorte d'agent double. Ou même triple. Ça me plaît. Salut Gloria. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est dehors? Un problème de fuite. On a tout nettoyé, mais la ville ne nous laissera pas rouvrir tant que ce sera pas réglé. J'ai fait venir 3 fois le plombier, mais ça revient sans arrêt. Tu peux envoyer du monde dans d'autres refuges Fist? Tout est déjà plein. Ces gens-là, ils n'ont nulle part où aller. On essaie de garder les gens au chaud et de les nourrir, mais par ce temps... Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais. Tu peux aller voir les gens installés dans le parc. Ils sont pas toujours très chauds pour parler à la direction. Ok, ça marche. Et après ça, retourne en vacances. Tu travailles trop. Ok, ok. Je dois comprendre ce qui s'est passé avec l'eau. Peut-être que ces gens pourront m'aider. Je vais le faire. Merci. Je suis Steph, la copine de Gloria. Je suis bénévole au Fist. Enfin, s'il en reste. Ouais. Gloria dit que la ville refuse de rouvrir le centre. Ils sont étrangement bornés. Ils n'ont pas perdu de temps pour nous fermer. Moins d'une heure après l'inondation, ils étaient là. Ouais. Je devrais porter un petit chapeau en papier d'alu, hein, c'est ça? Non, c'est bizarre. En tout cas, un grand merci pour ton aide. Ok, c'est louche. Je devrais continuer à parler aux gens. Je peux peut-être arranger ça. Ou de la bouffe. Elle est lourde, ta bouffe. Attendez, je vais vous aider. Merci. J'essaie de garder ça au sec. J'avais peur qu'on se fasse dévaliser, mais il y a eu cette inondation. J'avais même acheté un couteau. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? J'ai vu des types en train de rôder autour du centre. Je les ai chassés, mais ils sont revenus. Et puis ils ont disparu juste avant que ça pète. Dites-moi si vous voyez autre chose. Et faites attention avec ce couteau. Ça marche, merci. Pourquoi avoir choisi bien? Je n'avais pas dit que t'avais vu des types. Parle de l'inondation. Les canalisations sont pourries. Ça m'étonne. Salut. Je vous aurais pas entendu parler d'un employé de la ville par hasard? Ouais. Il y a environ un mois, le refuge a installé un nouveau chauffe-eau. Un inspecteur est venu et il a dit que tout allait bien. Et regardez où on en est. Ouais. Bizarre qu'il ait rien vu.
aller. Prenez pas froid. Vous non plus. Hé, hey, t'es occupé? Je bosse sur Speed Nonagon. T'as du nouveau? Il y a des types qui rôdaient autour du Fist juste avant que ce soit inondé. La ville a tout de suite condamné le centre. C'est bizarre. Et un inspecteur a dit que tout était nickel juste avant que le tuyau lâche. Ce serait du sabotage? Carrément. Je dois aller mettre ma tenue. Gloria dit que la ville rouvrira le centre si les tuyaux sont réparés. Je vais voir si je peux y arriver.